On se retrouve pour une deuxième étape successive, France Passion, sur le trajet de la Suisse à La Rochelle. Cette ferme est particulièrement bien référencée sur Facebook, avec de nombreuses publications. Elle fait également partie du réseau Bienvenue à la ferme, qui regroupe plusieurs centaines d'agriculteurs en France, avec des hébergements sous diverses formes. Également membre du réseau France Passion, c'est extrêmement pratique pour trouver des étapes en se promenant dans toute la France. Si tu ne sais pas ce que c'est que le réseau France Passion, pas de problème, jette un œil ici. Cette ferme élève des vaches Angus, mais surtout ce qui nous a le plus intéressé, des porcs avec une allure très particulière, animaux extrêmement curieux et qui donnent des produits, une fois transformés, excellents. La ferme participe à plusieurs marchés avec un camion qui permet de se déplacer et de vendre la production. C'est à ce niveau-là qu'on a pu faire quelques courses sur le site de la ferme. Alors, il y a des gens qui sont restés, mais finalement c'est une partie très gentille. Les gens ont vite repris leurs habitudes de repartir en France, ouais. De tout trouver des endroits. Commentaires au niveau de l'accueil sont unanimes, vous serez extrêmement bien accueillis comme nous l'avons été. Le chemin parfaitement bitumé permet d'arriver de Néris-les-Bains jusqu'à la ferme. De la ferme jusqu'à l'emplacement pour garer le camping-car, c'est un petit peu plus délicat. Il y a environ 200-250 mètres à faire sur un chemin agricole avec une garde au sol mesurée. Et surtout, il faut particulièrement faire attention aux grands arbres qui bordent ce chemin pour ne pas trop s'en approcher. Relativement court pour vous donner une idée, si vous arrivez en scooter par exemple, à ce niveau-là, on a une légère surchauffe entre ce qui a été fauché et le bas du moteur. Le champ est relativement plat, il y a néanmoins quelques ornières, c'est relativement, je pense, déconseillé quand il pleut. Ouais.
Je crois que le monsieur va venir. Que voir pas loin de cette ferme, mis à part Néris-les-Bains, qui est une petite commune d'un peu moins de 3000 habitants et qui, comme son nom l'indique, contient des bains, eh bien, vous avez Montluçon qui se trouve à environ 10 minutes de trajet. Montluçon qui est une ville avec une vieille ville plutôt sympathique au coup d'œil, mais relativement désertée au niveau de ses commerces. La ville, par ailleurs, de Montluçon est correcte, donne pas beaucoup d'avis ni positif ni négatif. Par contre, la vieille ville est très jolie. J'espère vivement que cette vidéo t'aura plu. Elle s'inscrit dans le périple de l'été 2020 qui nous a fait passer par déjà deux étapes France Passion à ce stade et qui nous fera aller jusqu'à l'Atlantique et retour par deux étapes France Passion. Quand j'aurai clôturé cette série de vidéos, j'aurai l'occasion de mettre en place une vidéo spécifique pour le périple qui fera appel à ces vidéos. À bientôt, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas pour le pouce bleu.